Bonsoir. Alors, on va essayer d'étudier un petit peu la paracha de Kitavo, la paracha de cette semaine Kitavo. C'est peut-être par humour que les Chachamim, ils ont appelé la paracha Kitavo parce que la paracha de la semaine dernière, c'était Kitetsé, quand tu sortiras, et là, c'est quand tu vas rentrer. Mais c'est pas uniquement pour de l'humour. On va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'elle contient, notre paracha Kitavo? La paracha Kitavo, elle est assez longue. Elle a le chapitre 26, 27 et 28, et un petit peu du chapitre 29. Alors, quels sont les sujets qui sont traités? Je les ai mis là. Dans le chapitre 26, le début de la paracha, c'est ce qu'on appelle les bikourim. Alors, les bikourim, qu'est-ce que c'est? Moïse dit, lorsque vous viendrez sur la terre d'Israël, lorsque vous allez rentrer sur la terre d'Israël, voilà, vous avez juste en dessous le texte, « Vehaya kitavo, el ha'aretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala. » Et donc, il va falloir la conquérir, ensuite la partager. Ça va prendre, en principe, ça devrait prendre 14 ans. Et alors, à ce moment-là, lorsque tu seras bien tranquille sur ta terre, tu prendras les premiers fruits qui pousseront et tu les amèneras au Cohen, à Jérusalem. Et là, tu diras des choses. Tu vas dire des choses au Cohen. Donc, ça s'appelle les Bikourim. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui s'appelle le vidouï maaser. Alors, qu'est-ce que c'est que le vidouï maaser? C'est une fois tous les 3 ans, après qu'on ait fini un cycle de 3 années agricoles, on fait, si vous voulez, le point sur les 3 années écoulées. Et si on n'a pas donné le maaser, c'est-à-dire la dîme, ou bien si on l'a retardé, il nous est resté encore des choses que nous n'avons pas encore pu donner aux Lévis, ou bien à l'étranger, etc., nous donne jusqu'à la fin de ces 3 ans. À la fin de ces 3 ans agricoles, il va falloir faire solder les comptes. Et donc, on va attendre la fin de la troisième année agricole. Ça va nous amener jusqu'au milieu de la quatrième année, en fait, parce que l'année agricole, elle est un petit peu plus longue. Et donc, au milieu de la quatrième année, vers la fête de Pessah, même le dernier jour de la fête de Pessah, on doit faire une déclaration. D'abord, on doit faire sortir tout ce que l'on n'a pas encore fait sortir. C'est-à-dire, si j'ai encore chez moi dans mon grenier la dîme que je n'ai pas encore donnée, il va falloir que je la fasse sortir de ma propriété et que je la rende publique et que je dise, venez tout le monde prendre cette dîme, elle ne m'appartient pas. Et là, je veux quand même me débarrasser de tout mon dû des 3 années précédentes. Et en plus du fait de faire sortir, si vous voulez, toute cette dîme-là, je dois dire un texte. Et ce texte-là, nous allons l'étudier ce soir. C'est le sujet que l'on va étudier ce soir. C'est ce qu'on appelle le vidouï maaser. On va essayer de voir pourquoi ça s'appelle vidouï maaser. Dans la Torah, ça ne s'appelle pas vidouï maaser, mais les Chachamim appelleront ça vidouï maaser. On va essayer de voir pourquoi. Donc, voilà les deux sujets qui commencent notre paracha de Kitavo. Ces deux sujets, donc, les prémices, avec le discours que je dois faire au temple en amenant les prémices, donc une fois par an en principe, ou plusieurs fois, si j'ai plusieurs fruits, hein, ça peut se passer depuis Shavuot jusqu'à presque Hanouka, hein, pour certains fruits. Et alors, à ce moment-là, je fais ce discours que l'on va voir tout de suite. J'ai mis un trait ici, pourquoi? Parce qu'en fait, après ces deux mitzvot, la mitzvah de Bikurim et la mitzvah de Vidouï Maaser, c'est la fin du discours de Moïse. La fin du discours de Moïse, et on reprend, si vous voulez, un autre discours. On va voir tout à l'heure que Moïse, dans le livre de Devarim, a plusieurs discours. Comment est-ce qu'on définit le début et la fin d'un discours? Un début de discours, c'est lorsque Moïse dit. La Torah nous dit, voilà, Moïse a commencé à parler, et puis Moïse parle à la première personne. Et tout le temps qu'il parle à la première personne, on se permet de dire que ben, c'est ce qu'on appelle en hébreu un néoum, c'est-à-dire un discours. Un discours harmonieux qui a un début et une fin. Dès que le texte sort, si vous voulez, de la première personne et nous parle de Moshe à la troisième personne, alors on dit, bon, alors donc le discours est fini, et puis alors on commence un autre discours. Donc, il y a plusieurs discours. On en a vu pour l'instant deux. Et dans notre paracha, il va y avoir donc la fin de ce deuxième. Et il va y avoir
aussi encore une autre interruption dans notre paracha et même deux autres interruptions. Donc, il va y avoir encore deux autres discours. Donc, ça, c'était pour expliquer ce petit trait, c'est-à-dire fin d'un discours. Ensuite, nous avons le chapitre 27 qui nous parle de ce qu'on appelle la Brit Har Gerizim. C'est-à-dire que Moshe demande au peuple et surtout à Josué avec qui le peuple va rentrer en terre d'Israël, dès que vous rentrerez en Israël, vous irez dans cet endroit-là qui est Shrem. Hein, Shrem, aujourd'hui, en français, c'est Naplouse. À Shrem, il y a deux montagnes, de deux côtés de Shrem, puisque Shrem est dans la vallée. Et il y a une montagne qui s'appelle Har Gerizim, Har Ebal. Six tribus monteront sur la première montagne, six autres tribus monteront sur la seconde montagne, et il y aura un discours que l'on fera. En fait, en bas, ils resteront encore les Kohanim ou les Lévim Kohanim. Vous vous rappelez qu'il y avait des Lévim qui devenaient Kohanim et l'Arche de l'Alliance, tout ça est en bas. Et ils ont une déclaration. C'est tout plein de déclarations, c'est des textes dits. C'est beaucoup de soit des monologues, soit des représentations presque. C'est quelque chose de assez théâtral et où on va dire « Maudit soit celui qui… » Et on va voir ça tout à l'heure. Et tout le monde, toutes les tribus disaient « Amen ». C'est la première fois qu'on voit dans la Torah, et la seule fois, où on voit que tout le monde dit quelque chose et tout le monde ensuite répond « Amen ». C'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui à la synagogue, qu'on dise un texte et que de temps en temps le public dise « Amen ». Mais là, c'est vraiment dans cette alliance. C'est une nouvelle alliance. C'est une alliance qui est donc l'alliance de Har Gerizim et Har Ebal. Elle va se passer de l'autre côté du Jourdain. Elle ne se passe pas pour l'instant, mais Moïse en donne les détails. Cette alliance va faire écho à l'alliance qui a déjà été scellée au Mont Sinaï. Mais je vous rappelle qu'au Mont Sinaï, si vous voulez vous rappeler, au Mont Sinaï, il y avait une montagne où il y avait Dieu au sommet de la montagne et le peuple qui était à la base de ce triangle-là. Tandis que là, nous nous trouvons, si vous voulez, avec deux montagnes. Et ce qui se passe, c'est, si vous voulez, dans le triangle qui est au milieu de ces deux montagnes, avec une base en haut et le sommet du triangle est en bas. Et c'est comme si c'était un triangle, j'allais dire, inversé par rapport au triangle du Mont Sinaï. Et là aussi, l'alliance va être une alliance, si vous voulez, inversée, dans le sens où ce n'est pas Dieu qui dit les choses, mais c'est le peuple qui dit les choses. Ici, Dieu n'est pratiquement pas présent. Il est, si vous voulez, présent symboliquement par l'Arche de l'Alliance au sommet, toujours au sommet du triangle en bas, mais il ne parle pas, Dieu ne parle pas. C'est le peuple qui parle, ce sont les Kohanim, les Lévim qui parlent et c'est le peuple qui répond. C'est une alliance beaucoup, beaucoup, beaucoup plus humaine du peuple entre lui-même. Ce qu'on appelle la bride donc, de Har Gerizim, et c'est Moïse qui demande à ce que cette bride-là soit faite. Ensuite, il y a le chapitre 28. Dans le chapitre 28, il y a ce qu'on appelle une autre bride, c'est-à-dire une bride à Arvot Moab. Le peuple se trouve à l'est du Jourdain, dans l'endroit qui s'appelle Arvot Moab. Dans les Arvot Moab, c'est les plaines de Moab, pas loin d'ailleurs de là où du mont Nebo où Moïse va bientôt monter mourir. Mais le mot Arvot Moab est un mot à double sens parce qu'il veut dire à la fois les plaines de Moab, mais il a aussi cette possibilité de traduction Arvot, comme on dirait en hébreu aujourd'hui, Arevut. Arevut, c'est un comme vous allez signer pour quelqu'un. Enfin bon, je pense qu'aujourd'hui on le fait moins. On signe pour la mashkanta de quelqu'un, on se prend garant. On est garant pour le prêt d'un ami, et donc on est garant. Et là, si vous voulez, c'est une alliance où chacun est garant de l'ensemble du peuple. Donc, ça tombe bien que ça s'appelle Arvot Moab, c'est aussi Arevut. Arevut. Donc, c'est une deuxième alliance. Une alliance où vous allez me dire, alors, quelle différence entre cette alliance et l'alliance de Har Gerizim qui sera faite de l'autre côté du Jourdain? Il est difficile de savoir que ces deux alliances, parce qu'en fait le texte continue dans le même style à dire si vous écoutez les commandements de Dieu, il vous arrivera beaucoup de brachot. Si par contre vous n'écoutez pas les commandements de Dieu, il vous arrivera
ce qu'on appelle les klalot. Et donc, on reprend, si vous voulez, un texte que nous avons vu à la fin du livre de Vaïkra, mais cette fois-ci doublé de klalot et no, que Moïse prédit à Israël au cas où il ne tiendrait pas compte de l'alliance et qu'il ne fasse pas qu'il soit pas dans le chemin de l'alliance. Donc c'est vraiment encore une autre alliance. C'est une alliance dont on va parler cette semaine. On va parler la semaine prochaine. On va en parler jusqu'à pratiquement la fin du livre de Devarim. Il semble que ce soit la principale chose qui se passe physiquement à l'est du Jourdain. C'est que Moïse, avant de mourir, à la fois dit une alliance, mais il dit que l'alliance véritable se fera lorsqu'ils auront traversé le Jourdain avec Har Gerizim et Har Aival. Vous allez me dire que c'est confus, et vous avez raison, c'est confus dans le texte aussi. Dans le texte, on ne sait pas qu'est-ce qui fait partie de l'alliance qui doit être dite au Har Gerizim et qu'est-ce qui fait partie de l'alliance qui est dite par Moïse lui-même à l'est du Jourdain. J'ai pourtant pris une décision de séparer les deux textes, et vous allez voir, je vous ai mis tout le texte de la paracha en dessous, et je pense qu'on peut situer, si vous voulez, la différence entre la bride Har Gerizim, qui est donc une bride qui va être faite dans le futur, et la bride de Harvot Moav, qui est faite tout de suite. Le chapitre 29, Moïse reprend, si vous voulez, encore une fois la parole pour raconter l'histoire. Alors, il raconte la sortie d'Égypte et il raconte tout ce qui s'est passé jusqu'à présent pour arriver dans cette situation où nous allons effectivement mettre en place cette alliance. Donc, si vous voulez, ce sont des versets qui ne sont pas des versets d'alliance, mais qui sont des versets contextualise l'alliance, c'est-à-dire qu'il nous explique dans quel contexte cette alliance est faite. Voilà. Donc, si je résume, nous avons donc ici les Bikurim, le Vidui Maaser, Brit Har Gerizim, Brit Avot Moav. Ce que j'écris, c'est Historia, c'est-à-dire la contextualisation de cette fameuse alliance. Voilà. Donc, on va reprendre cela en détail. Je vous rappelle que le principal sujet, ça va être le Vidui Maaser. Mais je voudrais quand même soulever quelques points avant, en passant en revue la paracha. Ici, j'ai écrit Bikurim et je l'ai mis en bleu. Alors, effectivement, voici les Bikurim, ils sont en bleu. Qu'est-ce qui se passe dans ces Bikurim? Dans ces Bikurim, il y a on demande à l'agriculteur israélien, et j'insiste pour dire que c'est un agriculteur israélien qui est dans son champ, et on lui demande de venir juste avant la consommation de ses fruits. De prendre les prémices et de venir chez le Kohen, qui est donc la centralisation, j'allais dire, un peu religieuse, et faire un discours. Et c'est un discours extrêmement intéressant parce que ça va relier, on va demander à ce que cet agriculteur israélien se relie à une chose, c'est au peuple juif, hein, pas au peuple israélien, mais au peuple juif. Pourquoi je parle du peuple juif? Parce qu'il va se relier à l'histoire du peuple, même lorsqu'il n'était pas en Israël. Donc, il dit, je suis un enfant de ce peuple qui est né en dehors d'Israël, qui est né en Égypte, et j'ai vécu avec ce peuple. Cette terre nous a été donnée, donc il prend, si vous voulez, du recul et replace la terre qu'il travaille dans le contexte de l'histoire juive. Et j'amène les prémices à Dieu pour lui dire que je suis en fait, j'ai en fait accompli le désir de la promesse que Dieu a fait à mes ancêtres, et je suis venu donc ici apporter ces prémices. Et c'est un texte très émouvant parce que c'est un texte presque dit par quelqu'un de Chiloni, j'allais dire, par le fait même qu'il soit agriculteur, donne du sens à sa présence en Israël par le fait qu'il viendra une fois par an, on va dire en gros une fois par an, à Jérusalem lire ce texte. Ce texte est tellement émouvant et important que c'est le texte que nous commentons le soir de la Haggadah de Pessah. Et parce que le soir de la Haggadah de Pessah, en fait, chaque juif se rattache à l'histoire juive. Le soir du Seder de Pessah, en fait, on commence l'histoire juive à la sortie d'Égypte et donc on s'y rattache. Un juif, n'importe où il se trouve et dans n'importe quelle époque,
doit se, le soir de Pessah se rattache, si vous voulez, au peuple juif par le Seder. C'est pour ça que l'on commente ce texte-là, qui est dit à l'origine, lorsque l'on a mené les prémices au temple. Et ce texte-là, d'ailleurs, est un texte assez, assez intéressant pour ce qu'il dit et pour ce qu'il ne dit pas. Il n'y a pas écrit ici que Dieu nous a donné la Torah, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, il nous a transformé en un peuple puissant, les Égyptiens nous ont fait des misères, nous sommes sortis d'Égypte, il nous a fait sortir d'Égypte et il nous a amenés dans cet endroit-là, ce qui replace la terre d'Israël et ma présence en tant qu'Israël, agriculteur israélien, dans son sens historique. Voilà. Donc ça c'est, si vous voulez, un premier néoum, j'allais dire un néoum, c'est-à-dire un discours. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure des discours de Moïse, et puis là, on parle d'un discours qui est fait par l'agriculteur israélien, une fois par an. Je voudrais vous faire remarquer une chose. On commence par nous dire « Vehaya ki tavo el aretz ». Et alors, le jour où tu viendras en Israël, sur la terre. C'est une phrase qui me paraît extrêmement étonnante, parce que cela fait déjà très longtemps, depuis le début de Devarim, nous nous trouvons déjà sur le bord est pratiquement du Jourdain. Et nous avons déjà conquis une partie de la terre d'Israël, au moins la partie ouest du Jourdain, la partie est du Jourdain. Et il me paraît bizarre de dire, tu sais, lorsque tu viendras en Israël, dans la terre que Dieu t'a promis, c'est là. Depuis tout à l'heure, depuis la paracha d'avant, on parle tous de cette situation où on sera en Israël. Shoftim veshoterim titen lecha bechol she'arecha. Tu donneras des juges, tu mettras un roi. Tout ça, c'était pour lorsque je serai en Israël. Pourquoi je fais cette remarque? Parce qu'il me semble que ce texte n'aurait pas dû être ici sur le plan chronologique. C'est un texte qui semble faire partie d'une série de lois concernant les choses que l'on doit faire en Israël, par exemple les choses que l'on doit faire par rapport au temple, par rapport au Kohen, par rapport à l'agriculture, et qui, situées dans un contexte où on donne une série de lois, alors oui, effectivement, cette loi-là est une loi qui ne pourra être mise en application que lorsque vous serez en Israël. Et donc, ça justifie le fait de dire, tu sais, lorsque vous irez en Israël, ben voici ce qu'il faudra faire. Hein? Donc, ma conclusion, c'est mon avis personnel. Je n'ai pas trouvé de commentaire qui souligne cette chose-là, mais je pense que ce petit texte-là est un texte qui a été arraché d'une série de lois concernant les troumotes, les maasrot, les lois agricoles, et qui a été mis ici. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a justement écrit « Ve'aya ki tavo el haaretz ». Il n'y a aucune raison. Imaginez que Moïse fasse un long discours où on est juste en face du Jourdain et il nous dit « Voilà, vous allez bientôt rentrer en Israël » et « Ah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 » et « Ah, ben vous savez, lorsque vous viendrez en Israël, vous amènerez les prémices. » Oui, mais c'est de ça qu'on parle depuis le début. Depuis le début, tu nous parles du fait que nous allons traverser le Jourdain et que nous allons maintenant conquérir la terre, et il n'y a aucune raison maintenant, vers la fin de ton discours, après, alors que tu nous as déjà dit qu'on allait rentrer et que les mitzvot que tu me dis sont, que tu nous enseignes, sont des mitzvot que nous n'appliquerons que lorsque nous serons là-bas, que pitom tu commences à me dire « Ah oui, lorsqu'un jour vous entrerez en Israël, alors il faudra faire cette loi. » C'est une... Il y a un anachronisme qui me fait dire que cette mitzvah, des bikurim, n'est pas à sa place sur le plan chronologique. Mais alors, il va falloir comprendre pourquoi est-ce qu'elle a été prise de l'endroit où elle est. Je ne sais pas, il y a plusieurs propositions. J'ai déjà réfléchi à des propositions, mais ce n'est pas le sujet ici. C'est le sujet, pourquoi est-ce que ça a été mis ici. Deuxième, vous allez voir pourquoi est-ce que c'est important pour la suite. Ensuite, ne regardez pas ce texte. Ce texte-là ne fait pas partie de la paracha. Par contre, la suite, c'est Vidui Maaser. C'est le texte que nous devons étudier ce soir. Vidui Maaser, c'est quoi? C'est
Lorsque tu auras fini, ki techale la aser et kol ma'asar tevuatra bashana ashelishit. Lorsque la troisième année, tu auras fini de faire tout ce que je t'ai dit à propos du ma'aser. D'ailleurs, cette troisième année, la Torah l'appelle shnata ma'aser, l'année du ma'aser. Ça nous pose problème parce que Dafka, dans cette année, il y a un peu moins de ma'aser. Et Dafka, Rashi va nous dire pourquoi on l'appelle l'année du ma'aser, parce que c'est l'année où il n'y a pas de ma'aser. Il se contredit parce qu'il est obligé de se contredire. On a un gros problème. Je vais vous en parler tout à l'heure à propos des ma'aser. Mais en tous les cas, la troisième année, qui est l'année du ma'aser, si vous voulez, si aujourd'hui on paye nos impôts tous les ans, enfin tous les deux mois, et puis on a un DOR, un récapitulatif, on fait le point tous les ans. Hein. En principe, on devrait faire le point aussi tous les ans sur les ma'aser, c'est-à-dire tout ce que j'ai récolté et la partie que je dois donner par rapport à ce que j'ai récolté au Cohen, au Lévi, aux pauvres, aux étrangers, etc. Donc, en principe, chaque année devrait être une année agricole dans laquelle je vais calculer ce que j'ai fait rentrer comme produit et ce que je dois donner comme impôt, si vous voulez, au Cohen, au Lévi, au guerre, à la tombe, aux pauvres, etc. Or, ce passouk nous dit qu'en fait, ce n'est pas tous les ans, comme les impôts ou comme ce que je viens de dire, mais c'est tous les trois ans. En fait, tous les trois ans, on va faire un dor de trois ans, on va recalculer tous les trois ans pour voir, pour essayer de rajuster, si vous voulez, et tout ce que j'ai oublié de donner au fur et à mesure, eh bien, au bout de trois ans, c'est l'année où je vais vraiment me débarrasser, donner tout ce que je dois aux impôts. Donc, c'est pour ça qu'on l'appellerait peut-être l'année du Maas. Et alors, je prends tout, comme je vous ai dit, le dernier jour de Pessah, ça ne s'est pas dit ici, c'est les Chachamim qui vont le déduire, je le mets dehors, et alors je dirais, je le donne à tous les pauvres, aux Lévi, à tous ceux qui en ont besoin, je donne tout ce que je n'ai pas eu le temps de donner jusqu'à présent. Donc, à la fin de la troisième année. Donc, je vous ai dit au milieu de la quatrième, hein, parce que c'est la fin de la date. Et alors, Ve'a Marta Lifner Noelwecha, et alors tu diras devant Dieu. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ce que l'Israélien, l'agriculteur, c'est toujours le même agriculteur, mais il doit faire un discours. Où c'est qu'il doit le faire, ce discours? Il y en a qui disent qu'il doit le faire à Jérusalem, mais ça n'a pas l'air du tout d'être l'avis de tout le monde, puisqu'il ne va pas retourner à Jérusalem uniquement pour ça le dernier jour de Pessah. Il est venu le premier jour, le deuxième jour, il est reparti chez lui. Il n'est pas question de le faire revenir le dernier jour, surtout qu'il doit préparer la Mimouna. Non, il est chez lui, et puis il donne ça là où il se trouve, aux Lévi et aux pauvres qui se trouvent là. Mais il doit faire un discours, encore un autre, un discours. Qu'est-ce que c'est que ce discours? Voilà le discours, je vais vous le résumer. Bi'arti kodesh minabait. Je n'ai plus rien chez moi qui appartienne aux impôts. C'est que j'ai enlevé tout ce qui était saint qui était dans mes greniers. Je me suis débarrassé de tout ce qui n'était pas à moi, en fait, qui devait appartenir aux Lévi et aux Cohen et aux pauvres. Hein. Donc voilà, maintenant j'ai fait un acte. Maintenant que j'ai fait cet acte, je déclare que je suis bécédère, que j'ai sorti tout ce que j'avais. Et je l'ai donné aux Lévi, aux Guerres, à Yatom, à Almana, Kechol Mitzvotecha, exactement comme tu me l'as ordonné. Asher Tzivitani. Donc, si vous voulez, là, c'est quelqu'un qui s'enorgueillit d'avoir fait exactement ce qu'il faut. Lo avarti b'mitzvotecha, velo shacharti. Je n'ai pas fait de faute, je n'ai rien oublié, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Je n'ai pas mangé ces choses-là de façon impropre, etc. Et Asiti Kechol Asher Tzivitani. Voilà, c'est une phrase importante. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Et c'est un discours. Je dois faire un discours qui dit j'ai fait ce que tu m'as dit. Et alors, on fait une petite prière et on dit s'il te plaît, de là où tu es, envoie-nous de la bracha et à tout le peuple d'Israël. Et tu nous as donné la terre. Et donc, étant donné que j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire, maintenant à toi de jouer, donne-nous la bracha. Alors, ça s'appelle un vidouille ma'aser. Voyons de quoi il s'agit. Cette mitzvah que Moïse nous enseigne,
Si tout à l'heure j'avais dit pour les bikurim qu'elle ne semblait pas à sa place, cette mitzvah de vidui maaser est sûrement pas à sa place. Elle est sûrement pas à sa place. Et ça, tous les commentateurs le disent. Pourquoi? Parce qu'il faut lire dans la paracha de Ré, c'est-à-dire là on est dans le chapitre 26, et bien dans le chapitre 14, ça veut dire très très bien bien plus haut. Voici ce qu'il est écrit là-bas. Aser te aser et kol tevoa zaraycha yotze asadei shana shana, tu feras le maaser chaque année et tu mangeras devant Dieu. Va makom asher yifra shagan shu mokhem va zganecha tishcha yisra v'chol yisra sonecha l'maran tilmal yira et amnael v'cha kol hayamim. Donc là-bas on m'enseigne qu'il va falloir que tous les trois ans, je ne sais pas pourquoi est-ce que je n'ai pas mis ici le texte qui parle des trois ans. En fait, c'est dans soit un pasouk avant, soit un pasouk après, mais c'est aser te aser et kol tevoa zaraycha. Donc tu dois prendre tout ce que tu as fait et puis au bout de trois ans, tu dois faire ce qu'on nous dit de faire. Ça veut dire que notre mitzvah qui est décrite ici dans le Vidui Maaser, en fait, elle nous a déjà été donnée par Moïse. Combien ça fait 22 chapitres en arrière. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait dû dire, et lorsque tu feras ça, tu diras, tu feras ce petit discours. Et non, on a gardé ce discours pour ici. Si vous voulez, il est admis par tous les commentateurs que ce discours que doit faire l'agriculteur tous les trois ans n'a rien à faire ici, justement. Il a affaire à son endroit, puisque c'est là-bas qu'on s'est occupé des maaser, et c'est là-bas qu'on nous a dit que tous les trois ans, il fallait faire ça, etc. Donc, voici deux discours. On a un premier discours, ce qu'on appelle le discours des Bikurim. On a un deuxième discours, qui est le discours des maaser, qui sont juxtaposés. Ils sont juxtaposés dans le texte. Non seulement ça, mais ils finissent le grand discours de Moshe. Le grand discours de Moshe. Je vais m'arrêter sur ce mot-là, le discours de Moshe. Tout à l'heure, je vous ai promis que j'allais faire un peu le point dessus. Vous voyez les discours de Moshe, ce que j'appelais les néomim de Moshe. Nous avons au début du Sefer Devarim, il est écrit Moïse, Ho'il Moshe, Be'eret HaTorah Hazot. Voilà, Moïse a accepté de nous expliquer la Torah. Et voici ce que dit Moïse. Deux points, ouvrez les guillemets. Et c'était guillemets, depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, y compris, c'est Moïse qui parle. Donc on a dit que c'était c'est un néoum. On appelle ça un néoum. Le premier néoum, c'est un néoum, c'est-à-dire un discours où il va faire des remontrances, il va nous dire, il va raconter l'histoire, raconter un petit peu ses rapports avec le peuple. Il va y avoir dedans Shema Israël, les 10 commandements. Mais ce n'est pas le Neum des mitzvot. Le Neum, le deuxième Neum, commence au chapitre 5. Alors là, comment on sait que ça commence? Parce qu'il y a écrit Vaikra Moshe. Moshe a appelé le peuple d'Israël. Donc on parle de Moshe à la troisième personne. Et donc, on est sorti, si vous voulez, du discours de Moïse. De Moshe, puisqu'on parle de lui à troisième personne, mais on re-rentre dedans et on voit, il dit voilà, Vayomer Aleem, deux points ouvrez les guillemets, Shema Israël, écoute Israël, toutes les mitzvot et les chukim que je vous enseigne aujourd'hui, c'est Dieu qui me les a donné à vous les dire, et voilà. Et là, il va faire un discours, un deuxième néo, qui va donc s'étaler du chapitre 5 jusqu'à notre paracha, chapitre 26. Si vous voulez, c'est le plus grand néo de Moïse, où il va mettre toutes les mitzvot, où il va raconter la plupart, il va nous transmettre la plupart, la plus grande partie des mitzvot qui se trouvent dans le livre de Devarim, se trouvent là dans ce deuxième néoum, dans ce deuxième discours, donc du chapitre 5 au chapitre 26. Et si je vous en parle, c'est parce que justement nous sommes dans le chapitre 26. Et ce deuxième néoum, cet énorme néoum, finit par ces deux néoum justement qui est demandé cette fois-ci aux Juifs. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est Moïse qui parle, et à la fin de son discours, il met ici deux mitzvot de Néoumim. Et donc, il faut comprendre pourquoi est-ce que lorsque Moïse finit de transmettre tout ce qu'il a à transmettre comme loi, comme mitzvot, il demande maintenant à l'agriculteur israélien de prendre la parole une fois par an, et de prendre la parole une fois tous les trois ans. Et donc, ce n'est pas pour rien que ces deux mitzvot apparaissent ici à la fin de son grand discours.
il va avoir encore un autre discours qui va commencer au chapitre 27, c'est toujours dans notre parasha. Vayetzav Moshe uvizikne Israël ta'am lemo. Alors Moïse, on parle encore de lui à la troisième personne, donc c'est, on va commencer un troisième discours. Il va leur dire, vous savez, lorsque vous avez passé le Jourdain, vous allez faire ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'histoire de Hachrem. Vous allez d'abord prendre des pierres, vous allez écrire sur les pierres la Torah, puis vous allez à Hachrem, etc. Et ensuite, il y a dans le chapitre 29, hein, encore une fois, Vaikra Moshe el Kol Israël, Vayomer Aleim. Et donc, nous avons donc encore une fois un Néhoum. Donc, si vous voulez, au début du chapitre 27 et au début du chapitre 29, il y a encore deux Néhoum. Ça justifie vraiment que l'on puisse mettre ici un truc comme ça. Voilà. Et de dire qu'il y a encore un autre Néhoum. Donc, il y a le Néhoum qui avait commencé au chapitre 25 qui finit dans notre paracha, un autre où il y a, si vous voulez, les brachot et les klalot, et ensuite un autre qui commence dans la contextualisation de cette alliance. Bon. Je voudrais donc revenir sur notre sujet principal. Pourquoi Moïse nous demande de faire des néoumim? Pourquoi est-ce que Moïse nous demande de prendre la parole? En tous les cas, il concentre les deux prises de parole qu'il nous demande de faire dans cette paracha, par la prise de parole que l'agriculteur doit faire tous les ans avec ses prémices, la prise de parole que l'agriculteur israélien doit faire tous les trois ans, et il va demander aussi une prise de parole, comme je vous ai dit, qui va être faite par tout le peuple à l'entrée d'Israël, et ils vont prendre la parole sur le mont Gerizim et le Har Ebal. Là-bas, il va y avoir une prise de parole. Pour que vous sachiez de quoi il s'agit dans cette prise de parole, je l'ai mis en rouge. Voilà. Donc Moïse, comme on a vu tout à l'heure, demande à ce que lorsque l'on passe le Jourdain, là-bas, on fasse une brite, que six tribus montent là, six tribus vont là, et vous allez déclarer. Alors qu'est-ce qu'on va déclarer? La bracha et la klala. Vous allez faire les bénédictions et les malédictions. Malheureusement, là, on a que le texte des malédictions, on n'a pas le texte des bénédictions. Pourquoi? Allez savoir pourquoi. Ça aurait pu être le sujet de du cours de ce soir, mais j'en ai décidé différemment. Mais j'avais préparé le cours d'étude de ces clalotes. Pourquoi ces clalotes? Des clalotes très très bizarres, c'est-à-dire des malédictions à celui qui va faire de la vodazara en cachette, ou celui qui va maudire son père ou sa mère, celui qui va la nuit pousser la barrière de son champ qui sépare du champ de son voisin pour bouffer un peu du territoire de son champ, du champ du voisin, ou bien celui qui va induire en erreur un aveugle, celui qui va, cette fois-ci c'est à un juge on s'adresse, de ne pas faire exprès de faire un mauvais jugement, c'est-à-dire de faire pencher le jugement comme si c'était un jugement, mais en fait je vais l'arranger pour qu'il soit à ma faveur. Ensuite, des interdits sexuels, il ne faut pas coucher avec la femme de son père, pas sa mère, c'est la femme de son père, ni avec un animal, ni avec la sœur, ni avec la belle-mère. Et celui qui frappe un autre avec une cachette, bah, sa terre. Celui qui prend du shohad, hein, celui qui prend du shohad et qui agit avec du shohad, qui est c'est un bakshish, hein, de prendre de l'argent en cachette. Toutes ces lois, si on les étudie bien, on voit que ce sont des choses qui ne peuvent pas être mises au grand jour par la justice humaine. Ce sont des choses qu'on arrive à faire en cachette, ou alors sous couvert de justice, ou alors dans des cas de promiscuité qui font que des rapports interdits, mais ils sont sous consentement, donc ils peuvent être masqués comme des rapports d'amitié ou des rapports... Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas facilement détectables par la justice humaine. Et là, je les ai mis en noir tous les mots qui pourraient dire que c'est en fait basseter, c'est-à-dire en cachette. Et là, on demande au peuple qu'il y ait une force. C'est-à-dire qu'une personne peut paraître basseter, mais en fait, en cachette, elle fait plein de bêtises. Mais ces bêtises-là, elles ont des répercussions très graves sur elle, sur les autres, sur la société. Et qu'est-ce qui peut être garant de que
de la probité des gens, même en cachette. Et d'habitude, on dirait, ben, on va avoir peur de Dieu. Hein. Dieu est là. Pourquoi est-ce que Dieu est là? Parce que bon, si je brûle un feu rouge, la police m'attrape. Et donc, bon, c'est les problèmes où la police a des preuves, où les choses peuvent être bien identifiées, ça, la société va s'en occuper. Qu'est-ce qu'on va faire des fautes qui sont faites en cachette? Donc, au Har Sinaï, si vous voulez, la force du Har Sinaï, ça serait de dire, écoutez, vous êtes devant Dieu, là. Vous avez Dieu au-dessus de vous. Vous pouvez, face à Dieu, je suis obligé de bien me tenir. Parce que même si je suis en cachette, Dieu, en fait, me voit. Donc, si vous voulez, il y avait la peur de Dieu qui se trouve là, sur le mont Sinaï, et qui impose, si vous voulez, cette crainte sur moi. Et donc, je ne veux pas transgresser, même en cachette. Tandis que ici, s'il y a une deuxième alliance, bon, c'est vrai qu'on rentre en Israël, c'est vrai que c'est une situation nouvelle. Mais en quoi elle est nouvelle? Elle est nouvelle parce que Dieu va se retirer. Dieu va faire semblant qu'il n'est plus là et il va nous demander, nous, de prendre cette place. Ça, je l'ai dit déjà depuis le début du livre de Devarim. Le livre de Devarim, c'est l'homme qui prend la place, il prend une plus grande place de responsabilité, comme si Dieu n'était pas là pour faire le gendarme. Mais alors, qui va faire ce gendarme? C'est la probité morale de chacun, mais c'est aussi le peuple entier. Donc, si vous voulez, c'est une alliance qui se passe sans Dieu, mais qui se passe, si vous voulez, avec une partie du peuple et l'autre partie du peuple qui sont l'un face l'autre, comme si on était pris en étau, chacun était pris en étau dans le peuple. Et là, on est tous, étant donné qu'on est tous responsables les uns des autres, c'est là qu'on va parler des choses qui se font en cachette. Parce que les choses qui ne vont pas se faire en cachette, ça, on n'a pas besoin de les déclarer et d'avoir cette pression de la société qui déclare tous « Ve'amar kol ha'am, amen ». Vous voyez à chaque fois « Ve'amar kol ha'am, amen ». « Ve'amar kol ha'am, amen ». Tout le monde qui dit « Amen ». C'est impressionnant, ça peut être impressionnant. Déjà, la synagogue, ça peut l'être. Mais alors là, quand vous avez un rassemblement de plusieurs millions de gens qui disent « Amen » en même temps, Ve'amar kol ha'am, amen, ça peut résonner dans les oreilles pendant pas mal de générations, cette prise de conscience de tout le peuple, que tout le monde est responsable, pas seulement de la paix sociale et de la justice que l'on peut rendre, mais aussi de tout ce qui est caché et tout ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Si vous voulez, c'est une des explications qui peut expliquer cette liste particulière de Klalot. Donc, j'ai quand même un peu parlé de cette brite ben Hagerizim, mais vous remarquez que c'est aussi un discours. Ve'amar kol ha'am, amen. Les gens parlent. Eh bien, si Moïse finit de parler dans ce discours, dans cette paracha, il finit son grand discours, mais en fin de compte, il nous demande de faire trois discours. Le Bikurim, c'est un discours. Le Vidui Maaser, c'est un discours. Et ce qui va se passer dans le Har Gerizim, c'est aussi, comme on vient de voir, un discours où tout le peuple, où c'est le peuple qui parle, c'est l'agriculteur qui parle, mais il y a ici une demande de prise de relais. Hein? Comme si Moïse donnait le relais, le bâton du relais aux Israélites qui sont en face de lui. On dit maintenant, c'est à vous à prendre la responsabilité, c'est à vous à dire les choses, c'est à vous à vous exprimer. Alors, c'est une expression imposée, c'est un texte bien exprimé. Mais le fait que ça soit obligatoire qu'une personne vienne en face d'une autre, en face du Cohen, et fasse une déclaration, et que cette déclaration aussi se fasse tous les trois ans, c'est important. C'est important parce que, comme on l'a dit, le livre de Devarim, c'est Moïse qui commence la loi orale en disant « Ok, Dieu a parlé, mais maintenant c'est moi qui vais vous parler. » Et puis il finit les lois qu'il nous transmet en nous donnant des lois où nous-mêmes nous devons commencer à parler. C'est-à-dire que cette parole-là qui va se taire avec Moïse, en fait, va continuer dans beaucoup d'autres domaines et aussi dans la parole aussi des gens qui vont… soit l'agriculteur dans le Bikurim, dans le Vidou Maaser ou bien dans l'alliance. Josué va faire une alliance, mais à la fin de sa mort, Josué va refaire encore une autre alliance au même endroit. C'est qu'on a besoin d'avoir que le peuple participe
activement à cette prise de conscience qu'on est un peuple, et pas simplement l'agriculteur dans son coin, mais que tout le peuple, de temps en temps, se rend compte qu'il a une parole qui est une parole nationale, avec une responsabilité, pas seulement individuelle, mais nationale. Alors, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ce vidouille Maaser ? Eh bien, je vais poser une question tout simple. La question est de savoir pourquoi on appelle ça vidouille. C'est tout. C'est ça la question, et c'est sur ça qu'on va... Pourquoi on appelle ça vidouille ? Je vous ai dit que dans la Torah, il n'y a pas écrit vidouille. Dans la Torah, il n'y a rien écrit, il n'y a pas écrit comment ça s'appelle. Il dit que, voilà, tu vas venir et tu vas dire des choses. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont en ce moment en train de se lever tôt le matin pour aller faire des slichot. Et les slichot, et même dans les prières de tous les jours, l'une des choses qu'un homme religieux juif fait, c'est qu'il frappe sa poitrine avec sa main droite, s'il est droitier, en disant « Hacham, nous, Bagad, nous avons fauté, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça. » Nous avons beaucoup fauté. Donc, le vidouille, si vous voulez, c'est dire « J'ai fauté, nous avons fauté. » Et alors là, à Kippour, par exemple, on va voir le vidouille, c'est une des parties les plus importantes qui est reprise à chaque prière, cette histoire du vidouille, c'est-à-dire de se dire que j'ai fauté sans arrêt, j'ai fauté. C'est un sentiment religieux assez répandu dans les autres religions aussi, et qui a été énormément récupéré dans la morale et dans la religiosité juive. Et ce mot vidouille, d'où il vient ? Qu'est-ce que c'est que le mot vidouille ? Il est très difficile de savoir d'où il vient, parce que je vais vous amener ici à où c'est que j'ai écrit le mot vidouille. Voilà, ici. Vous voyez le mot vidouille. Le shoresh, c'est-à-dire les trois lettres principales de ce mot, c'est yud dalet he. Ça paraît très bizarre, mais c'est comme ça. Le yud, quand il apparaît dans un verbe, il disparaît très facilement. Le he aussi. Il n'y a que le dalet qui reste. Le dalet, c'est une lettre assez solide. Le « yud » et le « he » disparaissent, et alors vous pouvez voir des mots tellement aussi différents comme un « imodé ». Un « imodé », c'est je te remercie ». Un « imodé ». Ça veut dire aussi « je reconnais ». Un « imodé », je reconnais ma faute, par exemple. Ou bien « toda ». « Toda », ça vient aussi de la même racine. « Toda », ça veut dire « merci ». « Merci ». Et on amène un « korban toda », on en a vu là dans la Torah. Je crois que le Rav Samet a compté 110 fois cette racine dans la Torah. Donc, c'est une racine assez importante. Et, par exemple, si on voit cette racine au Hitfael, c'est la forme pronominale, les Hitvadot, c'est effectivement reconnaître sa faute. Je me dis mitvadé, je reconnais, j'ai eu tort, ni mitvadé, ni modé ou mitvadé. Il y a aussi le mot hoda'a. Hoda'a, c'est reconnaître. Hein. C'est pas hoda'a. Ce n'est pas une annonce avec un in, hoda'a, ani, je peux encore une fois remercier ou reconnaître. Mais si vous voulez, la racine de toutes ces acceptions différentes, celle qui regroupe toutes ces acceptions, c'est en fait une tentative de se placer de façon juste vers l'autre, vers Dieu. C'est-à-dire, j'essaye de me recentrer sur ma position vis-à-vis de l'autre. Par exemple, si je dis « Toda », c'est-à-dire « Merci », je reconnais que tu m'as donné quelque chose, tu m'as fait quelque chose de bien, et dans cette situation, je ne suis pas, je ne me défile pas, je suis au contraire responsable et conscient de la situation qu'il y a entre nous, et je te dis toda. Donc, ani modé, je te remercie. En hébreu, ça veut dire je reconnais le fait que je dois te dire merci. C'est la reconnaissance, c'est la connaissance, c'est la prise de conscience de ma position vis-à-vis de toi. Ça, c'est le sens profond, en fait. Alors, si j'ai fauté, évidemment, jusqu'à présent, j'ai fait semblant que je ne fautais pas. Mais là, je me reconcentre vis-à-vis de toi, vis-à-vis de Dieu, par exemple, en disant « je reconnais que j'ai fauté ». N'est-ce pas ? D'où l'acception du mot « vidouille » qui est de dire « j'ai fauté, je suis un fauteur ».
Mais je voudrais qu'on analyse, qu'on lise ensemble un texte du Rav Kook qui va nous donner une acception un peu différente de ce que l'on vient de dire, mais toujours en partant de la même définition. Alors voilà, je vous propose de lire ce petit texte du Rav Kook. C'est un texte résumé et je vais le lire avec vous. Essayez de le traduire. Keshem shetzarir sheyeh mudva ba'adam godel otzem chovato ba'avat Hashem. Il reconnaît le Rav Kook que effectivement l'homme religieux a besoin de d'avoir un sentiment de temps en temps. Je ne dirais pas de culpabilité, mais disons d'obligation vis-à-vis de lois supérieures à lui. Et donc, il doit être tout le temps en travail pour essayer de s'améliorer en disant « Ouais, c'est pas terrible, je n'ai pas été terrible, je vais essayer d'être meilleur. Hein? » Il reconnaît que c'est quelque chose qui existe et qui est bon. « Ba'asot ha'tov gdushat ha'ma'asim v'adrachim al kenkal » Et donc, on a souvent décrit une vertu des gens pieux comme étant une vision de soi qui nous diminue, qui est très modeste, mais en fait une modestie même exagérée, en disant oh, vous savez, je suis pas, je suis, j'ai pas fait ça et ça, j'ai pas fait ça, oui, ça, je l'ai fait, oui, mais qui suis-je et que suis-je et à quoi sers-je, etc. Il reconnaît que c'est quelque chose qui est répandu dans la religion, dans toutes les morales, je dirais encore plus dans la morale chrétienne. Et comme nous avons pas mal vécu dans la civilisation chrétienne, cette impression-là de morale religieuse, on l'a absorbée complètement. Mais il dit, En tov la Adam chez midazot il faut la yoter midai. Eh ben c'est pas bien de faire ça, de trop faire ça. C'est pas bien. Ok, il reconnaît l'intérêt. L'intérêt c'est de dire ne pas être se suffire de ce qu'on a fait, toujours essayer d'en faire plus, d'en faire mieux et de s'améliorer et d'essayer d'arranger le monde, de s'arranger, etc. Bon. Pour arranger le monde, il faut que je sache qu'est-ce qui est arrangé. Pour m'arranger moi-même, il faut que je sache en quoi je suis en manque, je suis diminué, je n'ai pas fait assez, etc. Ah, chez Tadriché ou Menoucha, Betixol, Menou, c'est sono, Vesimhato. Il ne faut pas trop en faire, parce que ça peut nous entamer notre joie et notre calme et notre bien-être psychologique. C'est mauvais, il ne faut pas trop se taper dessus. Alken, Natna lanu à Torah, derer le Ha'ara. Ha'ara, ici, pour lui, c'est l'itorer, de se réveiller. Chez Tsarich Adam, chez Yismach, Gamken, Ifhamim, Gambe Bitus Fataim, Shel Maase, Ator, Asherasa. Il faut, et la Torah nous demande aussi de reconnaître, et même par la bouche, il n'est pas honteux de reconnaître les forces, les bonnes choses, les bons côtés, les reconnaître à l'intérieur de soi, mais aussi même les exprimer et d'exprimer les belles choses que l'on a fait, les bonnes choses qui sont en nous, les bons côtés des choses que nous avons fait. Ou kfi amida reuya. Bon, il faut le faire d'une manière mesurée, évidemment. On ne va pas commencer à crier sur les toits qu'on est les plus grands, les meilleurs du monde. Mais il faut, c'est-à-dire qu'il met en valeur ce deuxième côté qui a d'habitude été oublié par les moralistes juifs. Il faut qu'il trouve en lui du corps à trouar. Corps à trouar, ça veut dire une certaine stabilité, une certaine force à l'intérieur de lui, et qu'il soit plein de joie. Il a beaucoup besoin, l'homme a beaucoup besoin d'être en joie, dans le bonheur et dans la tranquillité. Et il ne faut pas que sans arrêt, ils disent que lui, c'est un rachat. Il ne faut pas qu'ils disent sans arrêt, tu sais, moi, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Et beaucoup de gens pensent que c'est la meilleure pour être religieux, c'est de dire qu'on est humble et que cette humilité m'amène à dire que je suis racha. Rambam nous a déjà dit qu'il ne faut pas qu'on soit dire aux gens qu'on est racha pour d'autres raisons. Mais lui, il donne la raison pour... lui, il disait qu'il ne faut pas être racha, il ne faut pas dire aux gens qu'on est racha parce que ça fait, on a l'impression qu'on s'enorgueille. On est orgueilleux d'être rachat. Mais là, il dit,
Non, il faut pas vraiment, il faut pas se sentir racha ou qui m'accepte gamba comme je savais mais t'es chouba toi. Alken, que shem sheyesh toalet gedol al tikun nefesh v'yudavo. Non, de même. Excusez-moi. Qu'il y a le vidouille des fautes, il faut qu'il y ait le vidouille des mitzvot. Et donc, qu'est-ce que c'est que le vidouille des mitzvot? C'est de dire, ouais, je suis bessédère quand même. J'ai fait ça, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Et c'est pour cela que, au niveau des maasrot, notre Torah nous a enseigné, et alors là, ça nous rejoint notre paracha. Excusez-moi. Je vais un peu boire. Dans la Kehil Khatam, Hem Kolelim et Yisode Chovot Adam Kula. Mais il nous dit, le fait de faire un dor, c'est-à-dire de tous les trois ans, de faire le point et de voir ce qui s'est passé, de dire, ben voilà, j'ai fait ce qu'il faut et je le déclare à qui? À Dieu. Si je le déclare à Dieu, donc je me le déclare à moi. J'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai fait A, B, C, D. Ça s'appelle vidouille quand même. Mais ce n'est pas un vidouille négatif, c'est un vidouille positif. Ça veut dire que je me place vis-à-vis de moi, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ma parole. Je fais sortir ça en disant les côtés positifs que j'ai fait. Oui, il est très important, de la même manière qu'il faut faire un vidouille, un vonot, qu'il faut dire j'ai fauté, parce que c'est un moyen pour moi de voir dans les zones d'ombre qu'il faudrait que j'éclaircisse en moi, ou bien des mauvaises actions que je regrette et qui ne m'ont pas fait avancer personnellement ou qui ont créé des problèmes autour de moi, il faut aussi que je fasse ce qu'on appelle un vidouille des mitzvot. Et il nous dit, dans quelle mitzvah, où c'est que tu vois dans la Torah qu'il faut faire un vidouille des mitzvot? Il dit, dans notre paracha, dans cette histoire de trois ans. Donc, pour lui, c'est extrêmement important de faire un vidouille de mitzvot, un vidouille positif, parce que ça nous donne la force et la joie et la tranquillité. Et pour affronter le monde, il faut avoir donc cette force intérieure. Et des fois, trop se lamenter sur son sort, ça affaiblit les forces intérieures. Et là, alors là, je reviens à notre histoire là, des deux Néhoum. De quoi il s'agit ici lorsque le Haklaï, qu'est-ce que nous demande Moïse? Pourquoi est-ce qu'il ramène ces deux mitzvot qui, on l'a vu, ne sont pas chronologiques, c'est-à-dire n'ont rien à faire ici sur le plan chronologique. Ce sont des mitzvot qui ont probablement été donnés avant. Mais la Torah les a placés ici. Et peut-être Moshe les rappelle ici. Pourquoi? Pour nous dire que toi, homme, tu as quelque chose à faire. C'est essayer de prendre conscience de l'histoire juive, du fait que tu n'es pas ici agriculteur, et que même si tu as une identité israélienne et que tu es agriculteur israélien, tu ne peux pas trouver du sens dans ce que tu fais et continuer à habiter là où tu es sans te rendre compte que tu es un élément de toute une histoire juive qui a commencé en dehors d'Israël et qui continue en Israël. Il y a un but à ta présence en Israël. Et tout ça, ce sont des choses positives. Il n'y a pas du tout écrit dans ces discours des choses négatives sur la personne qui dit « oui, j'ai fauté ». Il n'y a pas du tout « j'ai fauté ». Il y a peut-être à la fin du... tout à l'heure dans le vidou Maaser un petit peu lo achalti beoni, là il dit je n'ai pas fauté, bon, mais lo biarati menu betami, rappelle les fautes qu'il aurait pu faire. Mais ce sont deux discours qui en fait résument toute la philosophie de Moïse. Ça veut dire que tout ce qu'il nous a dit depuis le chapitre 5 jusqu'à maintenant est résumé dans ces deux discours. Pourquoi? Le premier discours, c'est qu'il demande à l'homme de se placer à l'intérieur d'un peuple. Je fais partie d'un peuple. Ce peuple fait partie à une histoire, à un but. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne suis pas un agriculteur isolé dans mon champ. Je viens à l'endroit où tout le monde vient, c'est-à-dire au centre où tout le monde vient, et à cet endroit-là, je déclare que je fais partie de tout ce clan-là. Donc, mon rapport à Dieu, si vous voulez, mon rapport... La prise de conscience, hein, la doute de la personne vis-à-vis de Dieu, c'est de dire oui, je suis juif, je fais partie de l'histoire juive, je prends sur moi tous les problèmes du peuple juif et tous les problèmes de l'histoire juive et toutes les belles choses du peuple juif, et je veux en profiter et je veux qu'on puisse, grâce à cela, profiter de toute la terre. Et justement, juste après, il dit à partir du moment où tu auras déclaré ça,
ton but, ça sera de jouir de ta présence sur la terre d'Israël. Et le deuxième discours, qui est tous les 3 ans, est là pour me dire, oui, il faut faire un vidouille maaser, mais dans ce sens, vidouille maaser, c'est-à-dire reconnaître les bonnes choses. Oui, j'ai fait, j'ai payé mes impôts. On me dit, ouais, mais c'est normal que tu aies payé tes impôts. Oui, bon alors je le déclare, que j'ai payé mes impôts et que je n'ai pas fait de noir et que j'ai déclaré et que j'ai donné de la tzedaka et j'ai fait ce qu'il faut. Je dois le dire et je dois en prendre conscience et d'être heureux de des parties positives qui me comportent, qui me composent. Hein. Donc, Moïse donne les deux dimensions, ça veut dire je fais partie du peuple et je fais aussi, j'ai aussi un rapport individuel avec Dieu. Hein. Dans le vidouille maaser, je suis essentiellement moi vis-à-vis de Dieu. Moi, je suis messager. C'est-à-dire que quand je suis seul vis-à-vis de Dieu, ça veut dire qu'on me demande de prendre des forces intérieures. Et quand on me place à l'intérieur du peuple et que je déclare que je fais partie du peuple et de son histoire, alors là, c'est un rapport horizontal et pas vertical. Donc, ces deux rapports horizontaux et verticaux que Moshe n'a pas arrêté de développer avec toutes ces mitzvot, les mitzvot verticales et les mitzvot horizontales, et bien justement, elles finissent ce Ne'um des mitzvot avec justement ces deux dimensions qui sont dites par les gens eux-mêmes, ce qui correspond tout à fait à l'esprit du livre de Devarim, vous en conviendrez. Et lorsque tout le peuple va faire encore ce troisième discours, mais cette fois-ci un discours national, où il va parler de quoi ? Il ne va pas parler du but national, il ne va pas parler « nous sommes un peuple qui avons réussi à... ». Non, non, il ne faut pas qu'il y ait parmi nous des gens qui pensent qu'ils sont à l'extérieur. On est tous responsables de notre comportement moral, même notre comportement caché. Vous avez remarqué que là-bas, que ce sont des choses qui correspondent, qui concernent la personne elle-même. Une personne qui maudit ses parents, une personne qui va coucher avec la mère de la femme de son père, ou bien qui va frapper quelqu'un, mais en secret, sans que les autres le sachent. C'est de ça que la communauté déclare qu'elle est responsable entièrement. Il y a le poids de la société là, qui est là, et vis-à-vis d'elle, je dois être moral. Pas vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de la société. Donc, vous voyez, ces trois ne'umim, hein, c'est vraiment une parasha de déclaration, hein, de déclaration, les bikurim, la déclaration de vidouï maaser, la déclaration ici de la guérison. Et donc, le passage par la parole de l'engagement et de la responsabilité, on aurait pu croire qu'il serait resté entre les mains des dirigeants, celui de Moïse qui donne la loi, mais non, là, elle est prise, la prise de parole, elle est demandée par les gens eux-mêmes, et cette prise de parole va pouvoir leur donner le sens de la responsabilité qu'ils ont. Tant que je n'ai pas la parole, j'ai l'impression que je n'ai pas de responsabilité. Ma prise de parole va me rendre plus responsable. Je vais entendre ce que je dis, je vais dire vis-à-vis des gens, et cette prise de conscience va être encore plus importante. Donc, ça justifie tout ce qu'on a dit à propos du livre de Devarim jusqu'à présent, que le livre de Devarim, contrairement aux autres livres, c'était mettre de côté la présence de Dieu, mettre tout le poids de la morale et de la responsabilité chez l'homme. C'est l'homme et la société qui vont maintenant démontrer leur capacité à s'autogérer et à avoir une certaine morale, afin que Dieu, qui a initié tout cela, puisse être, si vous voulez dire, content de ses enfants qui ont grandi, être fier de l'évolution de ses enfants qui sont passés du stade enfant au stade adulte, ou uniquement en Eretz Israël, uniquement en Israël. Et c'est peut-être pour ça que ce Kitavo et la Haaretz se place justement ici, parce que toutes ces choses-là ne pouvaient pas se passer en dehors d'Israël. En dehors d'Israël, un juif est forcément infantilisé parce qu'il n'a pas cette responsabilité. Et il ne ressent pas ce vide qu'un adolescent ressent et qui lui demande de prendre ses responsabilités et de s'engager dans toutes les directions de la vie. Hein, voyez. Donc le Rav Kook ici, à mon avis, nous dit quelque chose d'assez important, que arrêtons avec cette morale chrétienne de l'affliction et de dire nous sommes nuls, et de dire au contraire, oui, c'est vrai, nous avons des zones d'ombre et des choses à arranger, mais aussi nous avons des choses belles sur lesquelles nous pouvons compter pour pouvoir avancer. Et donc, savoir bien doser le vidouille positif et le vidouille négatif,
Et comme en ce moment, on ne fait que du vidouille négatif à la synagogue et qu'on va continuer encore comme ça, il me semble, pendant un mois, je voulais un petit peu équilibrer ce vidouille négatif avec un cours sur le vidouille positif. Voilà, j'ai défini pour ce soir et j'ouvre vos... Enfin, vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez pour poser les questions. Samuel, les miens...